YouTube, comment ça va? Oh merde! Ah la pire intro. On est parti pour Metroid Prime 3, et oui, ça y est, j'ai oublié que Metroid Prime 2 était une purge. Je me rappelle absolument plus à quel point c'était immonde ce jeu. Et donc, ça y est, on peut commencer Metroid Prime 3, et peut-être que même... Ah, regardez, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, le jeu, il demande si on veut jouer en normal ou en vétéran? Eh ben vas-y, vas-y le vétéran, va bien te faire niquer. Le mode vétéran, il est hors de question que je rejoue en mode vétéran, hors de question. Hein. C'était tellement la merde, jamais. Hein. Non mais mode vétéran. Alors par contre l'avantage, c'est que Metroid Prime 3, il a été conçu... Journal de bord, polybot automatique enclenché, coordonnées, destination. Oula, des coordonnées chiantes. Ah, j'ai pas lu! Statut, système de survie, système cryogénique stable, battement de cœur, 15 BPM, c'est pas beaucoup. Pression sanguine. Y en a une ou pas? Anomalie détectée, c'est dans système de survie. Lecture neurologique, coordonnées, nul. Un écran bleu! Un blue screen! Putain, Samus... Oh non, mais non, mais Samus, pas Windows. Samus, on t'avait dit pas Windows, quoi. Non. Quelle erreur. Que se passe-t-il? Mais ça, c'est la vilaine Samus, ça. Quoi? Comment ça tous les systèmes fonctionnent? Non, moi je veux appuyer sur autre chose. Attendez, regardez. Regardez, il y a le truc là. Là, il y a le truc qui clignote. Moi, clairement, je veux utiliser autre chose, non? Quoi ça? Voilà! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, faut que je... Oh là là! Oh, faut que je tourne avec la Zizimote. Analyse biologique. Oh là là, oh, c'est moche. Statut, aucun danger. Combinaison Varia, Activated. Non mais je veux jouer avec les boutons. Ennemi abattu, coup tiré, tiens, Blacky. Non, quoi? Non. Qu'est-ce que... Il sait pas qui on est, lui. Oh, c'est pour nous faire jouer avec la Zizimote dès le départ, quoi. Je te zute. Hein? Mais non. Ah! Oh là là! Attendez. Attendez, faut pas que je me gourre, hein. Oh, si je me gourre... ils vont me défoncer, hein. Ouais, le truc avec les petits traits, ouais. Merci. Proceed to the command ship Olympus. You've been cleared for docking bay 5. Welcome back, Samus. Utiliser les commandes des propulseurs. Pour approcher du Valéry Giscard d'Estaing, du VGM. Quoi? Oui, faut appuyer. Quoi?
Approchez à tes commandes oui de l'écran. Oh! Oh non, c'est encore pire ce que je pensais. Ah non, va falloir faire des... Oh, va pas falloir faire juste viser. Oh, en plus, va falloir faire avancer, reculer. Oh, l'horreur. Oui, donc voilà. Donc, Metroid Prime 3, contrairement au 1 et 2, a été fait pour la Wii. Et donc, a été conçu à la base pour utiliser la Zizimote. Donc, peut-être que ça va être mieux... Ça va être mieux géré, quoi. Peut-être que ça va être un peu moins dur. Peut-être que ça va être plus sympa de viser, on ne sait pas. Mais bon, toujours est-il que ça pourra pas être pire. Ça pourra pas être pire que le 2, hein, ça c'est déjà. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Non mais c'est pas possible, on commence avec tout notre stuff là. On va se faire défoncer à un moment. Non? Bon. La 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 la. Mais ouais, j'ai même la boule. C'est impossible qu'on commence à un... Ah non, merde, celle-là. Oh la carte. Ah la carte est moins pire que celle de contrôle. La carte elle est entre contrôle et Doom Eternal. Vous voyez, Doom Eternal est évidemment la meilleure carte possible. On peut leur parler? Oh! Putain, Metroid Prime, on peut parler à des gens? Oh le pauvre. Oh, j'ai le double saut. On a vraiment tout, quoi. Il déconne pas, hein. No joke, hein. Chelou quand même. Hey Samus, these walkway mechanisms aren't working. Something must be jamming the gears. Pouette, 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 pouette. C'est mis surpuissant dès le début pour que t'aies encore plus le somme plus tard. Bah ouais. Thanks, Samus. C'est tout? Oh là là. J'aime beaucoup les cagoules pour pas s'emmerder à faire des cheveux. Mais pas du tout, pas du... Oh là là, vous êtes médisant, ça y est. Est-ce que vous êtes en train de dire que la puissance de la Wii, c'est à peu près la puissance d'un Nokia 3310? Vous êtes super médisant. Attendez. Oh, je me vois. Oh! Je peux analyser des trucs. J'avais oublié que je pouvais analyser des machins. Morphologie, femme soldat de la flotte spécialiste de la marine. Non préparée pour des... pour les situations de combat. Très sympa. Gna gna, les terminaux... C'est quoi ça? Un chasseur de classe Stiletto. Plus récent vaisseau de la Fédération Galactique, largement utilisé dans la flotte. Soldat de la flotte spécialiste de la marine non préparé hein, pour les... Qu'est-ce que j'ai gagné? Comme le moustache de Mario pour pas dessiner la bouche. Affichage. L'image affichée détaille l'état d'un des chasseurs en stationnement. Ça y est. Ça y est, je vais tout scanner. Ça y est, je vais tout scanner.
Les rampes d'accès vers le niveau supérieur sont déployées et bloquées dans cette position. Toi, t'es déjà... Toi, t'es déjà scanné. Interrupteur de contrôle, la cité... Ok, d'accord. L'interrupteur de contrôle, merveilleux. Une porte. La puerta. Eh ? Oh non, le jeu, il veut plus que je sors ! Non connecté. Genre le jeu a mis 3 plombes à... Putain. Terminal de contrôle des portes, le terminal est inactif. Une grosse porte fermée. Anna. C'est quoi ça? Putain, mais il y a tellement de trucs, ça y est, ça commence. Le gros camion, pouette-pouette, de transport de la Fédération Galactique utilisé pour transporter équipement et véhicules à l'intérieur du vaisseau. Alors c'est mieux, pour l'instant c'est mieux. Il y a des gens déjà. Mécanicien de la flotte, un des mécaniciens qui entretiennent et réparent les équipements. Caisse de la Fédération Galactique en système de verrouillage complexe, mais leur blindage est léger. En gros, tu peux les exploser. En tout cas, c'est très moche. C'est pas vrai, c'est moche. Genre encore plus moche que le 2. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Tu mens. Arrête. Il y a un truc au-dessus. Il y a un truc que j'ai pas scanné, là. Tourelle de classe Albatrac automatique des cibles. Oh là là, je sens. Je sens que ça va mal se passer avec nous. Marine de Fédération, personnel militaire standard de Fédération Galactique entraîné pour les situations de combat. C'est quoi ça? Cette rampe enclenche les drones utilisées par l'entraînement aux armes. Ok. Oh, regardez, j'ai pas scanné. Oh là là, j'ai pas scanné mon beau vaisseau. Mon beau vaisseau. On peut recharger et sauvegarder. Ça y est, le quatrième mur est pété. Bravo. Ah non, non, regardez. Regardez, c'est pas moins beau. Regardez. Le JPEG. Le JPEG pour l'espace est quand même vachement plus détaillé que maintenant. Qu'avant. Sur le 2, le JPEG, il était vraiment dégueulasse. Regardez là. Regardez là comment il est pas mal. C'est 144p. Non, c'est du 480p, hein, là, oui. Hein. Et les NPC, ah, on verra, hein, ça se trouve. Ah pourquoi c'est. Hein? Mécanoïde d'entraînement utilisé, hein, comme cible entraînement aux armes. Ah! Oh! Merde. Mais pourquoi ça... Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais... Il y en a que deux. Ou alors faut que je déquipe. Attendez, tac. Mais ça marche pas cette connerie. Bon, s'en fout. Quand est-ce que qu'on voit sur Kiwi? Et bah justement, on en a parlé tout à l'heure avec Otto. Et ça dépend de notre dispo, mais peut-être ce soir, et peut-être si faut qu'on tire à pile ou à face lequel est le plus riche de nous deux. mais c'est la merde qu'il n'y ait pas de... Notez l'espérité de la Wiimote pour les fictions, ouais bah c'est ça. L'idée c'est pas de tirer plusieurs fois sur le même, bah non parce que c'est... je sais pas s'il est en solde. J'ai pas regardé. Moi, vous savez, c'est Otto le cerveau hein, du groupe. Hein. C'est lui qui gère tout. Hein. Terminaux de contrôle des convoyeurs utilisés pour guider les chasseurs à l'intérieur du... Attendez. Valérie Giscard... C'est VG... Mais non, mais pourquoi... Hein, quoi? VGE. Mais oui, non, c'est VGE. Du VGE Olympus. Ouais, on va l'appeler le VGE.
tellement mieux. Par contre, j'ai plus de vie. Alors, effectivement, j'ai a priori tout mon stuff. Enfin, j'ai pas mal de mon stuff. Par contre, j'ai plus de vie. Ça, ça pue du cul. J'avoue que 25 boules pour un party game. Ouais. Ah, sinon, on attend qu'ils soient en solde, sinon. Je pense que ça serait pas plus mal qu'on attende les soldes quand même, non? Il est rush sinon. Transporteur de classe Harry's. Ah, Harry's, comme dans Isaac. Et utilisé pour déployer les soldats sur les zones de combat. Ah, ça ressemblait à un Asgard. Regardez là. Si vous regardez ici comme ça là, on dirait les tronches d'Asgard. La tête d'un Asgard dans Stargate SG1. Regardez ça. En fait, pas du tout. C'est autre chose. On peut faire ça. Ok. Et bah c'est noted. Le petit détail des yeux de Samus qui suit le viseur. Pas juste un regard figé. Bah, ça c'est cool. Patatarte. J'ai besoin d'amour et des câlins et des bisous. T'en veux tous les jours. C'est comme ça. J'ai pas lu. Merde, j'ai pas lu. Putain, je suis sûr que c'était intéressant. Moniteur affiche l'emplacement de tous les vaisseaux sélectionnés à bord du VGE Olympus. Le rapport du VGE Olympus indique que tous les systèmes sont opérationnels et activés. C'était quoi? Ah, c'est les itinéraires. Ah, c'est Google Maps. Regardez, c'est le Google Maps du futur. Le regard est passé d'un PNG à un GIF. Un APNG, c'est mieux. Enfin, vu l'époque, c'était plutôt à une vidéo QuickTime. Je peux t'offrir un coupon FreeHug par Tonya. Bah, pourquoi tu... Bah non. Bah, d'où tu me forces, là? Eh? Ah, il faut réparer la frégate. Écran de protection activé, invulnérable à toutes les armes, même les plus puissantes. Ah, merde. Une porte en scénarium. Oh là, oh, c'est bien notre veine. C'est bien notre veine, on commence le jeu, on a déjà une porte en scénarium, quoi. Terminal d'information opérationnelle, vous pouvez obtenir un code d'accès en activant cette station 11. Ah oui, regardez. Alors du coup, maintenant, Samus a une main. Et maintenant, je peux cliquer à côté. Ah, j'ai cliqué à côté. Disposition d'amélioration au phason. Mais ça pue la merde, ça. Et testé sur un bataillon de marines de la Fédération Galactique basé sur le système de Norion. Les marines peuvent utiliser un siphon d'énergie provenant d'une réserve de phason transportée dans le sac à dos de leur combinaison. Ça pue la merde. Il leur permet d'améliorer de façon temporaire les systèmes d'exosquelettes et d'armement de leur combinaison. Jusqu'à présent, aucun marine n'a présenté les signes de la maladie de phason commune aux sujets qui ont utilisé la version pirate de ce système. Tire comme Arbia. Air comme Rabia. Comment ça, Rabia est pas dispo? Ah, d'accord, je viens de comprendre. Les marres critiques. Ouais. Red comme du bois. T'as vu, ça me semble. Ah oui, regardez. S'il y avait le visage de quelqu'un là. Hop, vas-y. Tu veux vous le frotter un peu? Oh, ah oui, alors la précision de la Wiimote, c'est pas ça. Hein. C'est quelqu'un, ça? Il y a 20 ans, une équipe de scientifiques de la Fédération annonça la naissance d'un super ordinateur organique. Son nom était Aurora. Depuis cette date historique, les milliers d'Aurora ont été construites et installées. Au départ conçu dans un but scientifique, les Aurora jouent désormais un rôle dans le gouvernement, les entreprises et même dans l'armée. Super. Elles ont reçu des personnalités mâles, femelles ou neutres selon les besoins et les désirs du personnel des installations dans lesquelles elles sont utilisées. Regardez, c'est méta, c'est le métaverse de Facebook. Un vaste réseau relie toutes les Aurora, leur donnant accès à une immense base de données sans égale. C'est Mother Brain. Je crois que c'est Mother Brain-Brain. Putain, ça peut être Mother... C'est peut-être Mother Brain-Brain. Hein. Ah, je sais plus où ça situe les Metroid Prime dans la galaxie des Metroid. Alors, le VGE Olympus.
premier de sa catégorie. Le VGO Olympus a été mis en service il y a 18 ans dans le chantier naval à Quimper. L'unité Rohara 242 est à bord depuis le lancement. Elle fut la première UA à servir à bord d'une unité de guerre. Le VGE Olympus est le vaisseau amiral de la 7ème flotte. Son port d'origine est la planète Norion. L'amiral Castor Dane dit... Non merde. Entre les épisodes canon. Il y en a plein d'épisodes canon en fait, c'est ça le truc. Alors parce que les 3 Metroid Prime se suivent par contre. Ça, Metroid Prime 1, 2 et 3, clairement c'est ils sont à la suite. Mais c'est entre le... Je sais pas en fait. C'est entre le 1 et le 2. Mon mémoire de fin d'études sur l'immersion numérique, impression de réel, j'en fais en parlant de l'avenir qui sera très vite dans les métavers. Et là, un an plus tard, Facebook, plaf, méta. Entre le 1 et le 2, ok. C'est toi qui n'es pas canon. Bien que située à la périphérie de la Fédération, la planète Norion est très importante. L'armée conserve une forte présence dans le secteur et la base de Norion est souvent la première ligne de défense contre les ennemis qui opèrent en dehors de l'espace de la Fédération Galactique. Oui, je vais bientôt les faire, les 2D. Au départ, ce n'était qu'un orbe désolé, incapable de porter la vie, mais un projet sophistiqué de terraformation conçu par l'unité Aurora 486. Ah, 486 comme les processeurs. A transformé Norion en un monde couvert de forêts. Metroid Prime supérieur à Metroid Meta. Il y a un Metroid dans Facebook. Bah, bien, Soon TM. Identifiant Samus Aran, code d'accès. Par contre, ils ont toujours pas inventé les bons 13576. Ils ont toujours pas inventé des bons codes. Hein. Voilà, alors les mots de passe dans le futur, à savoir les mots de passe dans le turfu, c'est toujours de la merde. Hein. Et le viseur d'analyse, je fais que ça depuis tout à l'heure. C'est le clavier du verrouillage sécurisé. Oh non, me dis pas qu'il faut... Oh non, mais je l'ai pas noté, moi. C'était combien? C'était quoi le code? Ah, 13576. Oh là là, oh c'est... Oh, 13576, c'est de la merde. Hein. X64 for the win, ouais. Bah, c'est vrai que le 486, ouais. Ça pêche un peu. Hein. Du fait qu'il n'y ait pas de calcul en virgule flottante, déjà, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'ils font? Chasseur Gore peut fusionner son corps cybernétique avec de plus grands mécanismes. Marine. Ok. Il y a quelqu'un là-bas qui est en rouge. C'est qui? Fichier de la Fédération Galactique. Code BB. Ah, c'est BB-8. Croiseur de la glace Olympus transféré vers la banque de données. Terminal enregistre chaque individu, passe les points de contrôle de sécurité. Ok. Je scanne tout, hein. Là, c'est de la merde, mais c'est de tenir pour... Ouais, ça va. Commande de la porte de confinement est activée. Approchez-vous pour pouvoir l'ouvrir. Éloignez la... Ah, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Faut vraiment faire le mouvement, hein, donc faut vraiment que je fasse tac, tac... Et tac quoi. Ah là là. Oh non, pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi nous? Pourquoi nous, commandant Cousteau? Vérification ADN en cours, d'accord. Ah mais c'est le code... Quoi? Mais le mec il a mon code...
Le mec il a mon mot de passe. Le mec il a mon mot de passe. Mais partagez jamais vos mots de passe, c'est nul. Des biologiques utilisés pour détecter les substances dangereuses à l'intérieur du corps du sujet. Oh, ils vont trouver des... ils vont me trouver des trucs. Ils vont trouver les trucs qu'il y a à l'intérieur de mon corps. C'est sûr. Utilisé pour alerter le personnel d'urgence en cas de détection d'un sujet contaminé. Oh, vous sentez que ça pue la merde? Sont cryptés, on dit chiffrés d'ailleurs. Et impossible à identifier. On dit chiffrés, on dit pas cryptés. Nul Nintendo, nul. Analyse biologique. Statut, aucun danger. Combinaison varia activated. Ah. C'est bon, ils ont pas trouvé Oh, oh c'est chiant. Ah, je vous promets, ça va être méga chiant. Ah bah l'autre il a disparu. Est-ce que je peux scanner encore là, c'est tout? Je veux scanner des trucs, s'il vous plaît. Oh non, regardez comment c'est plus joli que le 2 quand même. Terminal permet de communiquer avec les utilisateurs du réseau du VGO Olympus. Console, contrôle et système de sécurité à proximité. Un code d'accès spécial est nécessaire pour passer. Putain, j'espère que c'est pas le même là. Station contrôle les portes anti-explosion à proximité, mais peut être utilisée qu'en cas d'urgence. Ah, ils ont... Eh, y a du dialogue, hein. On peut scanner tous les terminaux, c'est ouf, hein. Seul le personnel peut autoriser, peut accéder au machin. Oh, regardez! Ça bouge maintenant. Ah, regardez ça! Oh là là, regardez, c'est plus... non, mais voilà. C'est plus espace.bmp maintenant, hein. C'est fini. Scanner digital, ce scanner est activé et prêt à être utilisé. Et là nous avons ascenseur inactif. Impossible d'utiliser l'ascenseur. Ah oui, non, attendez, il faut que je scanne ça. C'est totalement fou. Cette démo, ouais, non, mais c'est que des trucs pour la Wiimote, quoi. Ok. Ascenseur opérationnel. Je veux tout scanner. Ouais. T'imagines dans la vraie vie, une porte où faut tirer dedans pour l'ouvrir. Est-ce que ce serait pas le pire truc? Les portes toutes les semaines faut les changer quoi. Session de contrôle de navigation, le contrôleur détermine la trajectoire du VG Olympus depuis cette console. Enfin, le mec il joue à la console quoi. Station tactique du vaisseau enclenchée, protocole de veille initialisé. Tous les soldats aux stations opérationnelles. Station de système de défense opérationnel. Ok. Bouclier en veille à tous les soldats aux stations opérationnelles. Station d'artillerie active et opérationnelle. Contrôle les armes à rayon. Système de visée en attente. Qui est-ce que c'est en train d'attendre? On se demande. Arme lourde, système de visée en attente. Eh bah ben écoute, bah merci. Il veut pas me parler lui. Tu vas me parler? Oui, tu sais qui je suis. J'ai sauvé l'univers 12 fois là. Non mais oh. Oh là là, oh lui, regardez. Oh, il fait tourner ses écrans et tout. Oh là là, la classe.
station est configurée pour l'officier navigant. Celui-ci dirige le VG Olympus à partir de cette console. Ouais. Bravo. Porte de sécurité verrouillée. Là on redescend. Ah, une sauvegarde. Look. Unité sauvegarde. Ça y est. Da 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 da. Alors, une partie, la partie a été sauvegardée. Et mon énergie entièrement rechargée. Trop bien. Ah. Donc là il est en train de me dire que je peux rien faire. Okay. Et ben je repars de l'autre côté. D'accord, d'accord, ok. Vous le sentez le truc qui va mal se passer quand même. Hein. Boop, boop. Ah, on peut scanner rien, on peut rien scanner parce que ah voilà, hop là, c'est qu'une vidéo en fait. Objectif accompli. Ça va, c'était pas trop compliqué. C'était à ma mesure quand même. Hein. Me déplacer dans un vaisseau, ça allait. Hein. Super drôle. Begin the briefing. Let me introduce 242, the flagship's Aurora unit. Ah, an organic supercomputer. Fascinating. It's my understanding that the Galactic Federation's core network is comprised of such units. That is correct, Core. And we serve as the network's master control. However, currently the network is down. Ah désolé, je lis pas, je suis en train de boire mon thé. Ah! We were forced to bring the network down. Fortunately, our scientists were quickly able to devise the vaccine. Unit 242 was the first AU to receive the vaccine. We were able to completely purge the virus. Pourquoi ils ont pas rouvert le réseau alors? Where did this virus come from? We believe the virus is of space pirate origin. 4 months ago, the GFS Valhalla went missing while on a training mission in the Klar Nebula. The ship's logs revealed that they were attacked by a space pirate raiding vessel. What is the logic in disrupting a Federation training mission? They're pirates. How could they resist a prize like that? That never would have happened if I'd been there. Then it's a shame you weren't. The pirates boarded the Valhalla and gained access to the ship's Aurora unit, 313. Pourquoi il y a la meuf de StarCraft à gauche là? Comment s'appelle? Je sais plus. This is how they were able to hack into the network and plant the virus. Thanks to our security protocols, we were able to shut down the network before the damage from the virus. Kerrigan, ouais. But we're still vulnerable. If the pirates decide to launch a major offensive, we'd be hard pressed to defend ourselves. Tu vas voir que si. Attends, nous devons débarrasser les autres UA de ce virus pour brancher le réseau. Le mec vient de dire il y a 10 secondes qu'il s'était débarrassé du virus. Regarde, c'est tellement Kerrigan à gauche là. Also
up to. Ah! All personnel to combat ready stations. Repeat, condition red. Sir, a space pirate attack fleet has just warped out of some sort of wormhole. They're also heading for Sector Zero, the planet's home base. No, they're targeting the planetary defense system. Get down to the planet and aid the ground troops. Stop those pirates. Par contre, lui, c'est Stokov de StarCraft, c'est clair. Vite, Kerrigan, vite! Ah! Une alerte! Bon. Moi, je veux scanner des trucs, moi. Moi, je m'en fous. Projecteur permet à l'unité Aurora de communiquer avec les personnes présentes dans la salle de briefing. Je pensais pas que je galère autant pour trouver une tasse avec la princesse Zelda au lieu de Link. En même temps, le nom du jeu, voilà, c'est The Legend of Link. Hein. C'est une urgence rapport et équipe médicale en inter maximum. Pardon, toutes les stations en soutien. Escouade de combat déployée. Permission à tous les chefs d'escouade d'engager l'ennemise. Système de défense activé. Tous les boucliers activés à 100%. Tous les soldats au rapport dans leur station. Station de combat en alerte. Tous les membres du personnel au rapport dans leur station attitré. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Alerte rouge. Toutes les stations d'urgence en alerte. Tous les soldats au rapport dans toutes les stations. Non mais... Ah par contre ouais, y a du lore hein, mais le lore c'est le même partout hein, donc c'est un peu chier quoi. Oh il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de pas bien. Elle a du mal à charger la zone. Samus, get to your ship. We need you down on the planet. Until we get the fleet in formation. Bah attendez, je t'ai pas analysé. Amiral Dane, commandant du VGO Olympus, le vaisseau amiral de la flotte de la Fédération Galactique. Je peux aller dedans? Non, je peux pas aller dedans, c'est naze. Moi j'y vais hein. Bouclier alimenté activé, tous les soldats... Je prends mon temps, moi je scanne. Tous les hommes à leur poste, hein. Vous avez vu, c'est pas les femmes, hein, c'est les hommes. Hein. Est-ce que le truc où je pouvais pas aller tout à l'heure, là, je peux y aller maintenant? Vous pensez qu'ils ont ouvert la porte ou pas? Ils ont pas ouvert la porte. Allez, je vais re-sauvegarder, regardez, je suis un fou. On va dire, je me suis perdu. C'est long par contre. Da 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 da. C'est par là ? Non, c'était par là. C'est quoi ça? Fantasin pirate d'unité d'infanterie facilement remplacé. Arme et armure légère. Il m'a aidé. Ils m'ont aidé les trucs. Port de sécurité sont verrouillés, des unités ennemies ont été détectées, trouvé un autre chemin. Évidemment. Ah oui, j'ai pas scanné les machins. Objet identifié, micro-capsule d'énergie, restore 10. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Véhicule, dispositif d'abordage, pirate, appareil léger utilisé par les pirates pour percer la coque de gros appareils.
C'est pas la porte, moi je veux les... non ? Ah, c'est les mêmes. Attendez, ça marche ou pas ? Non, j'ai pas les... J'ai pas les missiles non plus. C'est con, j'en trouve pas, mon clin d'œil pour mon cadeau tombe à l'eau. Ouais, alors ça des sites custom, ouais, mais bon, sur les trucs Nintendo, je suis pas sûr que ça marche super bien quoi. Nintendo, ils sont assez protecteurs hein, de leur licence. Surtout les licences qui leur apportent max de thunes. Ouais, mais je peux entrer dans le machin, moi. Non ? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Dead Crab. Mécanoïde, char rampant. Petite plateforme d'armement mobile, blindage léger, bien armé. Ça ressemble à un Metroid. Ça ressemble à un Metroid, c'est quoi ces conneries ? Non mais je pensais même que Nintendo dans Merchandising aurait fait une tasse princesse Zelda ou je sais pas. Honnêtement je sais pas. Et si ça tabasse là en général genre Displate. Comment ça ? Comment ça Displate ils s'en foutent des droits ? Comment ça Displate ils volent même carrément des trucs faits par, par des artistes. Et ils s'en tabassent. Moi je lis tout moi. Moi j'ai envie de lire les trucs hein. Produit d'énergie alimenté, flux à son maximum. Putain, les deux mecs là ils se sont fait buter par ça quoi. Ils sont vraiment pas doués hein. Générateur opérationnel. Tous les systèmes sont fonctionnels, super. Ok, c'est quoi ? Session contient une pile d'énergie, contribue au courant à toutes les machines en équipement. Ouais, oui, équipement. Bam bam bam, c'est quoi ? La grille est verrouillée en position de sécurité, empêche l'accès au tunnel de maintenance. Quel dommage. Je vais vraiment tout scanner hein. Là je vous annonce c'est une run scan pour cent. Comment ça si tu es en dehors ? Mais ça va pas non ? Gna gna gna, les connexions sont ouvertes, le flux à son maximum. Générateur opérationnel. Tout est normal. Les systèmes de sécurité à proximité. Les mecs sont en train de se battre. Communiquer avec le directeur du réseau du VGO Olympus. Ah ouais! Que se passe-t-il? Ah, le mec il s'est fait aspirer. Anti-explosion verrouillée, fissure à coque sécurisée. Évacuer la zone immédiatement. Fais chier! Coucou Johanna! Analyse la mauvaise foi se présente, le capteur indique une valeur au-delà de 9000. 9000 quoi. Oh là, elle est là-bas, on l'a vu! Quoi? Attendez. T'es où? Bon déjà je vais scanner ça, parce que là il va me dire... regardez, plus rien n'est alimenté. Oh, la pile d'énergie. Fantasin blindé, pirate, unité d'infanterie facilement remplacée, armure vulnérable aux missiles. Il faudrait que j'ai des missiles pour ça. Capacité du flux à zéro.
Oh non, mais il saute! C'est pas drôle! Restez là! Venez vous faire pourrir là! Non, ils veulent pas. Putain, mais. C'est des petits rigolos, hein! Viens là, viens là, viens là! Viens là toi aussi. T'as... T'as le... Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Attendez, faut que je récupère la pile. La pile. Biomutant c'est joli mais c'est chiant. Je sais pas de souvenir du 3 j'avoue. Bon j'en ai pas du tout parce que j'ai jamais joué. Faut remettre cette unité à sa place pour établir le courant. La pile d'énergie obtenue. Remplacer la pile à sa place pour... Oui. Oh non, va encore falloir jouer avec la Zizimote quoi. Attendez. Ok. Ah, faut être vraiment très prêt, hein. Sur un jeu mignon, je propose Biomutant. Bah, Biomutant, tout le monde. Enfin, j'ai vu des streamers en parler. J'ai pas vu une seule personne en parler en bien. Hein. Mine rampante. Ah. Zut! Barrez-vous! Encore! Ah, utilisez la boule morphinge. Regardez ça. Ah, je m'en vais. Yes, une réserve. Ça fait que moi, une purge, ça partait bien pourtant. En plus, car j'ai 3 heures sur le jeu. J'ai juste envie d'oxyre tous les narrateurs à cause de lui. Bah, je sais pas, enfin, ouais, non, moi, c'est... Globalement, oui, c'était ça. C'était que le jeu était chiant, il se passait rien, quoi. Ah, on est dans les égouts. Le verrou de sécurité est en place. Contournement de sécurité local requis pour désactiver le verrou. Débris semble être constitué de pièces endommagées de vaisseaux et de machines. Demande de sécurité autorisée. Verrou désactivé. Système de déchetterie en attente. Ah, et regardez, hop, là je saute. Ouverture sas. C'est peut-être pas ce que je voulais faire, non? Ah si. Samus elle a pas peur hein. Être dans l'espace comme ça.
Alors que, on l'a fait dans Outer Wilds, on le sait que c'est une mauvaise idée. Hein. Piou 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 piou. Piou piou. Regardez. Y'a Kerrigan. Merde. Ah bah je t'avais pas vu toi. Oh bah vu, je l'ai pas vu. Ok. Tiens. Tiens, t'as bien fait d'arriver là. Alors. C'est relié, paf paf, ok, ça c'est des ordinateurs, ça affiche des trucs, le VGO Olympus est en train de se faire défoncer, là il y a des machins, le système de piston fournit la pression nécessaire pour utiliser les monts de charge de réparation. Sotonichi n'a pas vu mon message, il est en train d'écrire un roman pour mon plus grand plaisir. Je crois qu'il a pas vu ton message. Des bruits de passerelles bloquent l'accès au terminal de contrôle, une explosion pourrait les détruire. Oh, si seulement j'avais un truc pour exploser. La coque du stiletto a subi des dégâts moyens, les réparations ne sont pas encore terminées. Attendez, il y a un truc bleu là, voilà. Les réparations nécessaires avant que le vélo soit nous... le vélo. Le vaisseau, pas le vélo. Le VGE, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais. Ah! La frégate est passée aux mines et puis ils disent... pas bien. Ah, attendez, ça j'ai pas scanné encore, ça. Hop. Nia nia nia, ça c'est les capsules bleues, c'est 50 d'énergie. Bah bisous. Hein. Ressemble à ça là les pirates de l'espace maintenant. Ils sont tous dégueulasses là. Ah non, je crois que c'était rhétorique. Ah. Comme dit Tony Hop, c'est vide, il se passe rien, il y a rien d'intéressant à faire, l'histoire est chiante en gros. Désolé hein, biomutant, si tu nous écoutes. Désolé hein. Oh da 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 da, vous allez voir des gros missiles. Mise à jour de l'armure obtenue, le lance-missile connecté. Appuyez sur moins pour tirer des missiles autoguidés, tirer tout en verrouillant la cible avec Z. Zoui, 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 zoui. Pourquoi j'ai l'impression que je vais avoir un boss là? Oh, ils sont beaux les missiles par contre. Vous avez vu comment ils sont beaux les missiles maintenant? 55% sur Steam. Ouf, ah ça fait mal ouais. Ah c'est rare. Nya nya nya. Ah. Analyse en cours, la cible est connectée au système de contrôle, la passerelle tirée sur chaque cible pour allonger le pont.
Bah. Merde. Ah, je pouvais, merde, je pouvais tirer des tirs normaux. Comment ça? Mais qu'il y en a un... Ah! Ok, terminal opérationnel, parfait. Je suis ravi, Thérèse. Zoé. C'est marrant que la paume de main soit quand même pile la forme de la main de Samus avec l'armure. Graou ? J'ai entendu un Graou ? Non ? Ah ouais, un Graou ! Regardez, ça a graouté. Putain, je suis sûr qu'il a mauvaise haleine. Alors, Seigneur Berserker, certaines attaques peuvent lui être envoyées pour le blesser. Il a vraiment très mauvaise haleine. Hein. Ok. Ah oui, d'accord. Pourquoi ça me touche ça? Je saute au-dessus. Voilà. Bon. Aïe. Ah, je devrais attendre qu'il en balance plus en fait. Je suis trop bon là. Plusieurs phases. Ah bzzz. Peut-être pas plusieurs phases.
Bah ah la zut. Explosion.gif. Il a changé son vaisseau, c'est bizarre. Hein. Je trouve les personnages sans charisme ni intérêt, mais le monde est assez joli. Tu parles de Metroid Prime ou Entrer dans le vaisseau. Sauvegarder et entrer dans le vaisseau. A priori, c'est ce que le jeu veut, le jeu en fait là. Sauvegarde en cours. Ah, biomutant. Ok, bon. Donc, I am in the vaisseau. C'est quoi ça? Ah, je peux changer la lumière, regardez! J'ai changé la lumière dans le vaisseau. Trop bien. Ah, et là, j'ai tout fermé. Ça, c'est pour diffuser mon code. Ok, quelqu'un essaie de communiquer avec moi. Ça c'était quoi? Ah oui, c'est pour me dire que tout va bien, tout ça, ouais, c'est bon. Je sais pas comment est le jeu en anglais, pour une fois j'y joue en français. Diffuser mon code, il n'y a que moi qui trouve ça salace. Oui. bonjour, oui. C'est tellement chiant pour appuyer dessus. Ennemi abattu 80. Déjà ? Coup tiré. 800. Déjà ? Dégâts reçus 131, ça c'est faux. Sauvegarde 4, partie. Pièce visitée 8%. Ben, j'ai déjà fait 10% du jeu là ? Non. Oh, attendez, je crois que mon vaisseau veut me dire quelque chose. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble. Choisir une destination. Hein ? Ah oui, d'accord, c'est la. Ok, c'est la planète. Je vais aller là. Langage ultra argotique parce que futur apocalyptique, animaux humanoïdes dans les interfaces, plus le yaourt en guise de langage. Pareil qu'un acteur qui traduit tout, c'est juste infernal qualité. Nul H, par exemple. Ah d'accord, ok. Profiter de la cinématique. J'allais dire, est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose? Mais non, en fait, c'était juste que le jeu est en train de charger. C'était un chargement déguisé. Piou 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 piou. Putain, c'est. Putain, d'habitude on est tout seul, y a vraiment personne dans les Metroid. Et là. Qu'il y a un peu de vie, ouais. Enfin, si c'est pour aller me faire leur tâche, merci, quoi. 3! Putain.
Oh, alors par contre la carte... Ah, la carte qu'on voit plus parce qu'il y, y a 12 000 kilos de merde dans l'interface, c'est pas ouf par contre. Je kiffe moyen là. Vas-y parle-moi. Parle-moi. Ok. J'y vais, bah j'y vais hein. La mini tourelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je veux tout savoir. Alors le VGE Enkidu, frégate de classe Griffin. La majeure partie de l'équipage est en permission à terre. Ah, ça doit être en train de se saouler dans les tripots là. Faut que je détruise les serrures. Fichier de la Fédération Galactique, code NNOB... Oh non, 088. Planète Norion transférée à la banque de Doned. C'est quoi ça? Le grappin, l'asso. Vas-y, moi je veux le grappin lasso. Da 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 da. Verrouiller un point d'attache avec machin et déplacer rapidement le nunchuck vers l'avant pour lancer le grappin. Oh non! Oh non, me dis pas que c'est... Oh non. Avant, fallait faire Z. C'était parfait. Me dis pas que c'est plus Z, quoi. Comment on a utilisé pour... Oh là 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 là. C'est chiant. Ça dropouille? Comment ça? Bah chez toi hein. C'est chez toi que ça drop. Pour une fois, bye. Comment c'est dégueulasse. Ça c'est le genre de truc tellement dégueulasse. Ils ont l'air bien nuls mes potes quand même. Hein. Je veux pas dire mais depuis le début ils se font défoncer. Hein. Ils ont l'air nuls. Mais nuls de chez nuls quoi. Non, ça marche pas. Attendez. Non, verrouiller. Hop. Activer. Putain, c'est avec l'autre. C'est avec le nunchuk. Tout le monde n'a pas une armure Chozo. Ouais bah je sais pas mais ils ont pas l'air doués quand même tu vois. Ah, lui il est en train de s'éteindre là. Panneau d'accès chez les charnières sommes fragiles, se brisons si on tire assez fort. Ah, réparation nécessaire pour ouvrir la porte, il y a un mec là-bas.
Elle est décédée. Biosign négatif. La cible a subi de nombreuses brûlures énergétiques. Son énergie le phason. On va y avoir Samus sombre là. Arrêt cardiaque. Une explosion, grenade d'énergie. Attendez, faut que je fasse quoi avec le machin là? Réactiver. Ça va pas aider si je tire dessus, évidemment. En acier jovian pur. Comment sont désactivés? Votre armement ne peut pas la détruire. Ah, il y a des trucs en dessous. Conduit d'alimentation, c'est inactif. Démarrer le générateur pour... Ah oui, d'accord. Ok. Ok, on a le conduit A, on a le conduit B, on a le conduit C, évidemment. B inactif, gna gna gna. Le A est inactif aussi. Et ici, nous avons quoi? Ok, des morceaux peuvent être tirés. Ah oui, non, c'est avant d'abord, et arrière ensuite. Bon, en fait, non, faut secouer le Nunchuck comme un malade, en fait. C'est tout, quoi. Ok. Bon. Et là, dis donc, on a l'impression qu'on a un petit endroit là où on peut passer. C'est fou. Allez, on va quand même... Non mais vas-y, réouvre. Tiens, tiens, tiens. Alors, il y a une source d'alimentation. De l'énergie. Par contre, on récupère les trucs, mais tellement rapidement là. Je suis étonné. Démarrer le générateur. Non mais vous avez vu comment ils sont nuls? Bah, ils étaient 4, ils étaient 4, ils sont tous morts. Vous allez pas me dire que c'est des gros nazes quoi? Là, une explosion pourrait le briser. Genre ça? Genre ça. Je le sais que les portes rouges, c'est les missiles. Hein. Qu'est-ce donc? Gna gna gna, transférer vers la banque de données. Chier, chasseur gore, transférer vers la banque de données. Chasseuse Gandreda. Ah mais donc ils ont des... Ils ont des trucs sur nous quoi. J'ai la carte. Trop bien. Ça y est, on peut s'amuser de nouveau avec la carte. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Pourri la carte.
Évidemment. Les débris bloquent le hall. Un tir puissant pourrait détruire ces obstacles. Tu as remarqué, Otonoshi, qu'il n'y avait encore pas de... pas de disjoncteur différentiel dans ce jeu? Ah merde! C'est quoi les merdasses là? Pourquoi faire? Je sais pas. Mine sauteuse. D'accord. C'est 1500, ça applique pas dans l'espace. Je suis sûr que si. Je suis sûr que dans la station internationale, ils doivent être conformes. Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a un tampon dans le milieu là? Parce qu'il y a une vidéo. Alors ça alors, la porte s'est fermée derrière moi. Alors ça... Ça je l'ai pas vu venir. C'est toujours la même musique. La musique des combats avec les pirates, c'est toujours la même. Attendez. Y'a plein de trucs à scanner là. TTB pirate transporteur blindé. Le conduit avant est vulnérable. Comment ça le conduit avant est vulnérable? Ouais. Ça les tue même pas? Attendez, lui il a un truc spécial, il a une armure lui. Faut le scanner. T'as un bouclier pirate, son bouclier repousse les attaques. Arrachez-le lui avec le... Ah, avec le grappin. Bah ouais, la grappinade. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Préparé au combat est violent, grossièrement amélioré avec du foison. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Alors, soldat aéroporté, unité aérienne agile, attaque autoguidée recommandée évidemment. Quoi? Zbram! J'ai fait péter. Mais ça s'arrête jamais. Mais qui est? Mais quoi? Hein?
Le surfeur d'argent. Regardez. Et de sauvegarder tes données. Comment ça? Le mec. Le viseur de vaisseau. Je peux appeler mon vaisseau, d'accord. Meilleur personnage. Lui, c'est L1. Quoi? Quoi tu veux? J'ai pas compris. C'est qui Eldar? Blablablablablap. Ah, il m'a dit de ne pas oublier de sauvegarder, hein. Ah oui d'accord, entrer dans le vaisseau, sauvegarder, entrer dans le vaisseau, annuler. Ah ou sauvegarder tout seul? Ah bah je veux sauvegarder tout seul, d'accord, ok. C'est une race de Warhammer 40 000, ok. Eh bien je ne connais point. Donc c'est pour ça qu'il y avait un truc sur la carte, c'est parce que c'est des endroits où je peux faire atterrir mon vaisseau. I've got it. Meurs, 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 meurs. Bah dis donc. Sur B pour sauter, puis à nouveau sur B dans les airs pour effectuer... Attends, d'accord, ils nous l'apprennent que maintenant. Alors que je l'utilise depuis le début. Oui. Grande protection invulnérable aux armes à feu tirées sur les sécurités optiques pour pouvoir le... Attendez. Tirer sur les sécurités optiques pour pouvoir le retirer. Assez chiant. Ah donc quand, alors par contre petit trick, quand vous ne pouvez pas scanner quoi que ce soit dans la pièce, c'est qu'il y a une cinématique. Ah bah non. Putain le jeu qui me fait mentir, bâtard. Débris bloque le dispositif, une forte explosion pourrait les détruire. Le panneau est coincé immobile, actionnez le système manuellement pour passer. C'est un générateur plasma FedTech, l'unité n'est pas opérationnelle. Système de sécurité activé, actionnez manuellement le système pour mettre le panneau en position neutre. Il y a des trucs là-bas, regardez. Merde, trop loin. Panneau en position, actionnez le système manuellement pour passer. Ah, il y en a pour passer, oui. Ah, c'est des débris ça. C'est le débris. Il pourrait être détruit par un tir suffisamment puissant. Alors, panneau d'activation déconnecté, placer le générateur en position basse, puis toucher le panneau pour l'activer, ok. Protection de courant à 0, impossible d'utiliser le générateur, établissez tous les systèmes du jeu. Ah si! Regarde, il y a un fusible! C'est un bras d'oreille de maintenance, c'est opérationnel, enclenché. Les trois rails sont en place. Panneau de sécurité et le générateur sont opérationnels, le système de panneau est en statut rouge. Si
système de piston du générateur. Désactiver le piston n'est pas en place. Activation du générateur suspendu. Il y a un queue-tru là-bas. Quoi ? Ah oui, d'accord. Ah non mais attends, non 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 non. Mais reviens ! Attendez, là il y a un truc. Gna gna. C'est quoi ça ? Mécanoïde, drone pirate, drone aérien rapide mais fragile. Tire d'énergie phason. Ok. Ah, vous vous rappelez, ça ressemble au truc avec les abeilles du premier. Merde, c'est barré. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il y en a d'autres? Oh merde. Ok. Peut-être faut que je regarde sur ma... Merde! Ok. Commande manuelle, générateur plasma, approchez-vous pour les utiliser. Évidemment. Et... Quoi ? Non mais ça va... Ça va être chiant. Ça va être chiant. J'espère qu'il n'y a pas des endroits ou des moments où il faudra le faire vite parce que c'est... Je pense avoir compris ce que le jeu essaie de me dire. Je suis pas certain, mais... Commandes manuelles ont été désactivées automatiquement, elles peuvent plus être... Ok. Ok, ça on est bon. Ça on est bon. Oui. On entend pouloup pouloup. Vamos, are you reading me? Something big is happening up here. What in the name of... Qu'est-ce que c'est-il donc ? Ah mais c'est bah c'est Samus sombre ça. Samus is heading right at you. That's why the pirates disabled the defense system. They intend to smash this thing into Norion. Get that cannon back online or everyone down there is as good as dead. Moi je peux pas y aller là. Générateur de plasma, l'unité fonctionne à son maximum. Ok. Production de courant est au maximum, générateur peut être activé, tous les systèmes sont pareils. Comment je fais? Attendez, je rescanne tout.
Bon bah là ça a l'air d'être ok hein. Encore des ennemis. Ah, il charge le phason lui. Ah. Finalement. Ils sont pas si mauvais quand ils volent. Marine DAP de la Fédération, armure sophistiquée avec DAP. DAP dans tes mains. Ridley là. Petit Ridley des familles là. Bah vous savez quoi? Est-ce que vous savez quoi? Attendez. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ah ouais, mais le fameux combat. Attendez. Banque de données dans le menu objectif, oui d'accord, super. Le jeu RAM. Mais c'est pas ça que je veux faire. Oh là là, attendez. Pas ça que je veux faire non plus. Allez hop. Mais hop. Attendez, j'appuie là. Voilà, on peut pas mettre pause a priori dans le jeu. Mes petites pauses. Et oui, ça fait déjà une heure et demie que je joue. On va se faire une petite pause. Parce que point trop d'infos hein, évidemment. On se rappelle comment tu avais apprécié l'affronter. Ouais, bah, quelle purge ce boss. Autant le Metroid Prime était vraiment cool à la fin. Bah, Ridley là. C'était nul. Allez, des bisous YouTube. On se retrouve très vite. Et avec des miniatures sur les vidéos YouTube. Hein. Trop bien.